es maniaque, tes tapis sont toujours sales, tu veux passer de ce résultat-là à celui-ci. Regarde la différence sur ce tapis. En très peu de temps, on a réussi à avoir un tapis tout neuf. Je te montre ça tout de suite. Tu vas avoir besoin d'une visseuse-dévisseuse à l'aide d'une drill brush, petit accessoire que tu peux retrouver sur accro.com. Tu vas avoir besoin également d'un produit spécifique pour les textiles. Tu vas venir dans un premier temps pulvériser sur ton support et à l'aide de ta visseuse-dévisseuse, tu vas venir faire des passes croisées en faisant mousser le produit. Si ça mousse pas suffisamment, tu peux l'humidifier. Je vais le faire à la machine vapeur, mais tu peux également le faire avec un injecteur extracteur. Et là, une fois que tu as humidifié ton tapis, comme tu peux le constater, ça mousse vraiment bien. Je vais te montrer tout de suite l'état de crasse, à pouvoir le voir directement dans le petit hublot. Comme tu peux le voir, l'eau elle est marron. Tu vas répéter l'opération jusqu'à temps que l'eau soit transparente. Maintenant que ma mousse est transparente, je vais venir aspirer le surplus de vapeur. La vapeur a un excellent pouvoir désinfectant et en plus, c'est une vapeur sèche. Donc, je vais pouvoir restituer le véhicule à mon client ce soir. Or, si je l'avais fait avec un injecteur extracteur et qu'on est en hiver, je vais générer de la condensation dans le véhicule de mon client et des mauvaises odeurs ainsi que des bactéries. J'espère que cette vidéo t'a plu. Pour ceux qui n'auront pas regardé jusqu'au bout, bien évidemment, vous allez dire, l'arrière n'a pas été fait. Allez, abonne-toi.